Madame, monsieur, go bonjour, go bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité ici en Haïti, ancien directeur police nationale là, Léon Charles, qui est représentant permanent pays d'Haïti dans OEA, remet démission li à ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Généus, après non ta fin sorti dans liste moun qui gen pour juger devant tribunal criminel dans sa qui gen pouwe ak assassinat et président Jovenel Moïse que Walter Wesse Voltaire qui c'est juge instructeur qui t'a mené dossier ça inculpé ancien chef police ta ak divers lot personnalité dans dossier ça parmi yo Martine Moïse Claude Joseph et bien Léon Charles lui-même qui décidé remettre démission et lettre ça lui-même qui daté et bien 21 février 2024 il fait qu'on est li gen effet immédiat li pa et bien là représentant pays d'Haïti nan OEA encore li remet démission pour le capable mettre à la disposition la justice et pour le faire tout ça dépend de li pour le nettoyer image li ak intégrité. Mesdames et messieurs, nan cadre dossier si là n'a rappelé nan rapport Walter Wesse Voltaire mette de yo li fait connait président Jovenel Moïse à l'époque nan moment attaque là la caille nan 8 6 pour 8 7 d'après le relais directeur police là Léon Charles et 18 minutes plus tard Léon Charles pas de jambe paraître li pas de jambe fait rien pour le tevin bay président à l'époque là yon coup de main et bien dans sens ça divers rapports fait qu'on est mesdames et messieurs Léon Charles lui-même il était participé dans plusieurs rencontres selon Walter Wesse Voltaire dans ordonnance côté que et suspect clé dans assassinat Jovenel Moïse yon fait qu'on est Léon Charles à l'époque qui était chef police te participé dans diverses réunions qui te gen pouwe ak arrestation président Jovenel Moïse et bien Léon Charles qui démissionné elle paraît pour la défendre tête li et nettoyer image li dans yeux tout monde que li estimé et capitaine ni dans moment n'a parlé là la. L'autre point mais c'est dans international là gagné mesdames et messieurs là dans moment n'a parlé à la situation qui compliqué dans international national là côté ancien président américain Donald Trump li wè la li gen gros menace sous tête li côté la justice américaine menacé pour ta saisi bien ancien locataire Maison Blanche là si toutefois elle pas décidé payer $454 million amende pour fraude fiscale que la justice américaine te condamné pour le payer dans semaine qui saute passé yo et bien là jusqu'à présent Donald Trump poko ba yon goud et la justice américaine menacée pour ta saisi bien li kaili ak tout ça li possédé pour eux même yo capable joine comme ça dans sens ça Donald Trump li même k'a préparé pour commencer verser l'argent gagné tout dans sommet G20 yo qui t'a fait dans ville Rio dans pays Brésil côté 20 pays et bien qui regroupé tête yo en bas G20 t'a pral réuni dans ville Rio de Janeiro et bien mesdames et messieurs yo critiqué amis internautes et pays la Russie pour invasion li dans Ukraine critique sa yo qui fait en présence chef diplomatie pays la Russie mesdames et messieurs et bien et ministre affaires étrangères et pays occidental yo pas mettre blanc en bouche pour te critiquer Vladimir Poutine avec tout pays li qui c'est la Russie côté la diriger mesdames et messieurs qui a fait yon pote bourré sous Ukraine depuis un bon bout de temps là et bien situation qui vraiment compliqué dans Moyen-Orient. Et toujours dans actualité internationale là, cette fois-ci c'est dans pays Espagne côté vraiment là, la justice espagnole condamné ancien international brésilien Dani Alves, ancien joueur FC Barcelone, ancien joueur Juventus et Paris Saint-Germain pour passer et 4 ans et demi dans prison après yo te fin joine li coupable dans accusation qui était posée sous dol sous question viol. Mesdames et messieurs, et bien point ça on a invité au suivio dans la voix de l'Amérique pour qu'a joine plus de détails. Mesdames et messieurs. Clin Belizère, yo plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter le programme ça qui dans langue créole haïtien quelques grands points cap dominer actualité. Actualité concernant pays d'Haïti, démission ambassadeur Léon Charles dans OEA après non paraître comme complice dans assassinat président Jovenel Moïse d'après ordonnance juge Walter Wesse Voltaire.
Dans l'actualité internationale, dans l'occasion de la réunion G20 dans Rio de Janeiro au Brésil, le ministre des Affaires étrangères pays occidentaux a critiqué la Russie pour l'invasion dans le pays Ukraine en présence chef diplomatie russe, Sergei Lavrov. Actualité ici aux États-Unis, la justice menacée pour saisir quelques propriétés ancien président Donald Trump s'il pas payé 454 millions de dollars amende pour fraude fiscale. Et puis la justice espagnole condamné ancien international brésilien Dani Alves pour passer 4 ans et demi en prison après rejoindre coupable pour viol. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous parlons pour nous développer pour après-midi à dans rendez-vous info et puis actualité à dans pays d'Haïti, c'est nouveau développement qui gagné après publication ordonnance juge Walter Wessel Voltaire. Et parmi nouveau développement ça yo, et ben c'est démission ambassadeur Léon Charles dans OEA organisation État américain après non le paraître comme complice dans assassinat Jovenel Moïse dans ordonnance juge Walter Wessel Voltaire, Sandra Lemaire. Léon Charles, ancien chef police nationale Haïti, qui s'est un personnage accusé en connexion avec assassinat président Jovenel Moïse, annoncé jeudi la démissionné comme représentant permanent Haïti dans l'organisation État américain, l'OEA. Léon Charles annoncé nouvelle là sous X, ancien Twitter, quelques jours seulement après rapport final, juge instruction Walter Wessel Voltaire là, t'a détaillé accusation contre plusieurs douzaines suspects, parmi eux Charles. Rapport a accusé monsieur pour assassinat, tentative assassinat, possession à transport d'armes illégales, complot contre sécurité nationale et puis association criminelle. Charles écrit sous X, je dis que yo impliqué une façon complètement injuste et diffamatoire. Lettre là gen date 21 février sous li et Charles dit l'a démissionné tout de suite. Charles ajouté li pral employé tout moyen légal disponible pour combattre à toute force li accusation yo lancé contre li et puis nettoyer honneur li. N'a rappelé que Léon Charles est chef PNH là le Moïse est mort assassiné et il est un suspect qui a fait face à accusation qui plus grave. Parmi l'autre accusé, il y a un ex-première dame Martine Moïse et puis ancien premier ministre Claude Joseph. Le rapport, le juge l'a dit, président Moïse tiré les Charles pendant attaque brutale qui t'a déroulé dans résidence privée en vent soleil l'a levé, mais Charles pas de fait en rien pendant 18 minutes qui t'est passé avant Moïse tiré les ou l'autre responsable replacé pour assistance. Juge là écrit pour dire Charles t'est déclaré li pas qu'arrivé caille président et li noté que monsieur pas de courir aller sous scène. Rapport a dit tout que youn en principal suspect nan ka dit autorité que Charles t'est participé dans plusieurs rencontres avant assassinat pour comploter arrestation président. C'est ça que t'est objectif original là, mais à la dernière minute plan t'est changé pour tourner un assassinat. Gain plus passé 40 suspects que yo déjà arrêté en connexion avec assassinat qui fait mène en prison en Haïti côté Aptan procès yo. Gain l'autre 11 suspects autorité fédérale américaine yo fait mène en prison pour mener procès contre yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc jusqu'à présent, nous pouvons avoir une réaction ancienne première dame Martine Moïse, mais nous t'ai parlé hier avec avocat ancienne première dame non, et monsieur Emmanuel Gentil, maître Emmanuel Gentil, qui lui-même pas de lui faire commentaire sous et document même, mais il était plus parlé de publication de documents qui étaient faits sous le sceau du secret. Et puis l'autre réaction, gain maître Evel Fanfan qui parlait de ordonnance juge Walter Voltaire, oui c'est Voltaire là. Et bien, ce qui rend ordonnance sous enquête l'étape menée sous assassinat du président Jovenel Moïse. Nous le dit M. Fanfan, c'est avocat ancien directeur général à Napla, en parlant de Jean-Tel Joseph qui impliquait tout dans le dossier ça, en tant que déclaration devant journaliste. Si on va parler de ordonnance, moi je vais parler de un trac. Parce qu'il faut nous faire très attention tant que la presse, nous ne dit pas parler sous bagage ça. Il y a un trac qui a circulé sur les réseaux sociaux qui sans sceau, sans signature ou pas carré nos ordonnances. Oui, mais s'il y arrivait vrai. Maintenant, s'il y arrivait à nous-mêmes,
n'a pas tel avantage que de droit. N'a pas tout ça la loi mettez à la disposition nous et le ça n'a fait ça la loi mandé. Et m'a conseillé tout le monde qui estime que yo victime, que yo estime que yo fait au tort à travers éventuel ordonnance ça pour yo aller regarder la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal. De vous estimer que vous lésé par cette ordonnance, ce n'est pas un bruit pour nous faire, ce n'est pas dans la radio pour nous aller, c'est fait exactement ça la loi Bordeaux. D'ailleurs, j'ai bien expliqué à la population et aussi à vous qui êtes journaliste. La loi, le législateur, il trace la procédure et il fait ça au relais. La séparation de la poursuite. Ça veut dire pas parce qu'on ordonne une sortie qui fait que nous ne pouvons pas pour ça. D'ailleurs, nous avons un système de présomption d'innocence. Donc, ordonnance, ce n'est pas qu'on en non. Il faut nous comprendre ça nous-mêmes qui journalistes. C'est-à-dire, ordonnance, c'est deuxième étape là. Vous avez le parquet comme la partie principale. Vous avez la juridiction d'enquête, qui c'est le cabinet d'instruction. Mais vous avez aussi la juridiction des jugements. Et à noter que la juridiction des jugements, qui c'est l'envoi et mon devant le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel, le juge en siège, il n'est pas lié avec l'ordonnance. Vous savez, il n'est pas lié, il n'y a pas de salvoyer le dévoté. Et d'ailleurs, il y a un principe en droit, je vais rappeler pour nous, et pour tout le monde qui attend. Il dit, même lorsque, après l'instruction de la juridiction, et capable de jugement parce qu'elle fait une instruction tout. Il dit c'est l'oralité des débats qui compte. Tout ça est l'oralité des débats, c'est bagaille qui dit dans séance seulement que a kembe. Donc ça veut dire que pour moun ki chopay non mais yo connaît en pile moun a chopay semaine ça parce que yo pensé non yo pas ordonnance parce que il y a des arrangements qui t'a fait par exemple il y a des noms pour faire mais c'est une blague parce que les jeux n'est que commencé. Et je veux que là, vous avez la cour d'appel qui est là. Et même lorsque la cour d'appel t'a confirmé et ordonné cela, vous aurez la cour de cassation. Et vous, quand je parle de la cour de cassation, il y a deux sections là-dedans. Il y a la section C, qui est trois juges. Et il y a la section réunie avec l'ensemble des juges. Donc, ça veut dire que le jeu n'est que commencé. Et nous-mêmes, nous n'allons pas nous comprendre ça. Parce que nous, on ne peut pas qu'on ait l'armée comme si ordonné cela, comme si vous ordonné cela. Non, mais le jeu n'est que commencé. Donc c'était Maître Evel Fanfan qui c'est avocat Jean-Tel Joseph qui c'est ancien directeur général à Naples lui-même tout non impliqué ou bien parmi 51 monde qui gain pour al devant tribunal criminel. N'a quitté la justice dans le pays d'Haïti, n'a vinn dans Washington côté un tribunal accordé moun k'ap défendre droit haïtien qui était victime en bas pont Del Rio pour ajouter plus moun dans dossier. Jean-Robert Philippe ou même ou t'es présent dans salle ça dans audience et ça donc t'as semblé que c'est une victoire, c'est une première étape pour moun k'ap défendre haïtien ça. Effectivement, Jacques, j'en dis à son séance qui dure 25 minutes comme ça, et juge là, il simplement mettait le bon côté et avocat cap défendre haïtien, qui était une batterie avocat avec eux pour incident qui est passé en septembre 2021. Et un avocat qui a défendu Shane Bridge à l'instant dans le dossier ça, haïtien surtout, et bien c'est Nicole Phillips, mais ça, je vous l'ai dit, après juge là, il finit prendre décision. Nous réussissons parce que nous disons que nous voulons plus de temps pour nous capables d'ajouter l'autre plaignant qui était touché, qui était impacté par, qui était en bas pour un an de Rio. Nous demandons pour ajouter plus de plaignants et puis le juge est d'accord. Il dit nous avons droit et nous avons droit d'amender plainte là pour nous capables d'ajouter l'autre mounion. Et puis et après ça, nous avons gagné l'autre audience, dit pas dans deux, trois mois pour avancer le dossier. Alors, on dit Jacqueline que le gouvernement te voulait pour te voir et jeter le cas dans la fatra. Après, car il dit qu'il n'y a pas de mérite encore. Mais le juge là, il n'y a pas de plein jusqu'au 8 mars pour présenter le dossier. C'est-à-dire qu'il doit pour amender la prêture de déposer et puis pour le gouvernement, il y a jusqu'au 15 mars même pour répondre. Guéline Joseph, c'est responsable de Haitian Bridge Alliance. On trouve que c'est nécessaire que nous menions la justice
et pour nous capables de combattre contre l'injustice qui est dans le système de migration hein, et pour nous capables de centraliser la cause anti-noir qui gagne tout. Alors nous commençons à joindre des résultats et nous faisons tout le monde connaître que nous continuons la bataille là avec tout. Plaintif que nous gagnons qui fait 11 kounya en faveur de plus que 16 000 mounes qui étaient passés en pile abus, en pile tribulation en bas Pont del Rio en septembre 2021. Donc Jean-Robert, nous t'avons dit, Mounio, il a songé que monsieur ça à côté que eh bien, police, bah, qu'on est garde frontalière, te bal coup de fret là avec cheval là. Donc c'est dossier ça que il y a parlé Jean-Robert, donc on suit pour dossier. Oui, exactement. Monsieur Mia Joseph, monsieur était dans la salle là tout, parmi quatre dans un plein yo. Et mais il y a un total 11 monde que a été présenté pour eux, mais avocat yo, ou bien encore partie concernée, partie plein, yo voulait ajouter plus de monde parce qu'il dit qu'il y a plus de monde encore. Et il me demande de garder une question ça tout. Et l'autre monde côté, il dit qu'il y a des monde qui là aux États-Unis, c'est 11 jours, mais il dit que l'autre monde qui en a ici tout, il pourrait faire des marches pour rejoindre et puis ajouter tout. Donc ce dossier fait démarrer. Donc on attend ça pas le passé. Après 15 mars, le gouvernement décide si oui ou non, lui-même la répondre avec accusation ça. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, lui-même qui était présent dans la salle, dans l'audience. On a bien pour nous rejoindre Jean-Robert Philippe Pita encore dans le programme, parce que l'a bien pour venir parler nous de gros oumblé qu'a fait dans Rio de Janeiro au Brésil. Vous suivez au créole, vous suivez au programme dans la créole haïtienne. Après être toujours dans la justice et n'a retourné dans le pays d'Haïti, côté ancien sénateur Nenel Cassi, répond à question juge Wilner Morin, qui a instruit dossier qui lié à rapport ULCCA, et bien c'est maître Jean-Renel Franzine qui était assisté ancien sénateur dans le cabinet juge là. Forme nous en forme. Même décidé qu'on ne dit pas parler. Vous connaissez, il y a ce qui est un rapport. Pour lui dire que un rapport côté du sénateur, tu as fait fausse déclaration de patrimoine, tu as parlé d'enrichissement illicite, alors que le sénateur n'a pas gagné, pas une boîte qui t'a dirigé. Pour faire un enrichissement illicite, il faut qu'on voit qu'on t'a dirigé. Et pour déclaration de patrimoine, bon, le sénateur n'a pas fait vraiment fausse déclaration de patrimoine, sauf que il y a des bagages, il y a deux ou trois machines qu'elle a gagné, que machine ne passait bien encore, sont machines qui hors d'usage, machine 94, qui n'ont pas patrimoine au moment de faire déclaration sortie, qu'elle n'a pas identifié comme vieux qui n'a pas patrimoine. Bon, il y a c'est considéré ça comme une fausse déclaration. Donc ça n'était qu'à une omission, n'était qu'à une liste incomplète de ça, c'est la dernière. Mais on ne va pas parler de faux parce que dans le moment de faire déclaration sortie, bien ça, on n'a pas patrimoine encore. C'est des machines 94. Imaginez une machine 94. Après plus de 25 ans, imagine ça, on n'a pas même un état de fonctionnement. Il y a toujours à la disposition de la justice et nous gagnons. Donc, on va ici qui a fait la loi, qui a dit que j'ai pour dire. Après, c'est le comportement juge Morin, son juge très compétent, rectiligne, pas ça, qui a bougé des lits. Il mène une instruction normale, sans pression, sans. Maître Jean-Renel Fransen, c'est avocat, ancien sénateur. Nenel Cassi, toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, leader parti politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dénoncé communauté internationale là, notamment les États-Unis, les dit qu'il kembe Premier ministre Ariel Henry, dans tête prix Mathieu là. Renan Toussaint sous place, dans votre presse. Moïse Jean-Charles, qui rencontrait la presse jeudi 22 février 2024, annonçait reprise mobilisation contre Ariel Henry sur toute étendue territoire national à partir dimanche 25 février 2024. Mobilisation, n'a pas permis encore 4 pays, pas campé mobilisation. Yo. Dimanche qui a venu là, devant l'ambassade Canada, on n'a rien à moi pour nous toucher le monde, pour nous toucher le monde, pour nous dire, maintenant qui ça États-Unis mettez-nous. L'un sorti de l'ambassade, nous pouvons aller devant les ministres. Et nous invitons tout le monde. Parlez-nous dans qui hôtel.
Ministre descend, nous allons chercher. Ancien sénateur Jean-Charles dénonçait communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, lui estimait qui pavlait Premier ministre Ariel Henry remettre pouvoir. Lui évoquait comme exemple démarche les États-Unis entreprennent pour faire force multinationale venir en Haïti. L'Amérique était envahi Irak, il a changé trois gouvernements. Si toutefois il y a une transition, vous mettez un gouvernement intérimaire. Comme il n'a pas rempli mission, il n'a pas gagné la paix, il n'a pas gagné la sécurité, il n'a pas gagné l'élection, c'est démasqué. Il plaidait en faveur du support pays la Russie avec la Chine dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça que fait, nous invitons le monde, nous invitons pays la Russie qui est dans le Conseil de sécurité, nous invitons pays la Chine qui est dans le Conseil de sécurité. Pendant 7 ans, nous ne pas le matin pour continuer à faire, il y a un grand mouvement. Panafricain qui a fait dans le continent africain, nous invitons tous les commentaires pour finir de nous, pour nous voir comment nous avons démasqué Ariel Henry, pour nous voir comment nous avons dénoncé les États-Unis. Moïse Jean-Charles demande aux Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour ne pas voter Joe Biden dans l'élection novembre 2024 s'il ne bail coup de main pour retirer le Premier ministre Ariel Henry sous pouvoir dans le moment la vie chère. Insécurité, chômage, timoun pa ka à l'école, ak plusieurs milliers de monde qui courent, quitte la caillou pour yon pas victime en babal gang armé. Pendant ce temps, tout parler kap fait la yo, Premier ministre Ariel Henry, aptan rive mission multinationale, soutien à sécurité en Haïti, pour vin aider PNH rétablir l'ordre ak sécurité nan pays, nan objectif pour faire révision constitution ak organiser élection générale, pour renouveler personnel politique là. Wena Toussaint, ou VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, ou suivre rendez-vous et actualité internationale là dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité internationale là, dans occasion go réunion G20 en Rio au Brésil, ministre affaires étrangères pays occidental yo, et ben compte critiquer la Russie pour invasion le fait dans pays Ukraine et ceci en présence chef diplomatie Rusla Sergei Lavrov. Un reportage Jean-Robert Philippe. Brésil ouvri conférence ministre affaires étrangères G20 yo nan Rio de Janeiro avec un appel pour gagner une réforme dans Nations Unies avec organisation multinationale yo. Brésil rend Nations Unies avec l'autre entité multinationale responsable le fait que pas arriver bloquer quantité de guerre avec conflit qui gagne sur planète là et qui tuer un paquet innocent. Ministre affaires étrangères Brésil là Mauro Vieira mandé une réforme globale que Brésil considère comme priorité numéro un pendant la présidée groupe là ANESA. Instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para instituições multilaterais ou para equipe assez pour faire face à des défis actuels. Tant que j'en ai constaté, paralysie inacceptable qui existait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sous conflit. État inaction ça a gagné comme conséquence un paquet innocent qui victime. Mais ça fait étranger 20 pigo économie mondiale sorti dans pays tant qu'aux États-Unis avec la Russie. Discussion a commencé sur actuelle tension qui existait dans le monde là avec façon pour améliorer organisation multilatérale. Bataille qui continue entre la Russie avec l'Ukraine et puis guerre Israël et Hamas là fait diplomatie pas optimiste. Sous proposition Brésil fait comme quoi pour ta gagner une mise à jour dans la gouvernance là. Ça veut dire proposition pas capable progresser facilement parmi le groupe G20. Mais ça fait étranger Brésil là, Mauro Vieira, dit diplomatio. Nossas posições sobre os casos ora em discussão no G20, em particular a situação na Ucrânia e na Palestina. Posicionou no dossiê saiu que em discussão na conferência G20, tal como a situação na Ucrânia e na Palestina. Dois dossiês nos apresentaram no fórum apropriado devant o Conselho de Segurança das Nações Unidas, avec a Assembleia Geral das Nações Unidas. O ministro Filipe disse que o Brasil não aceitou o mundo contra essas forças militares que resolvem diferenciar para a realidade e um partido dans le monde là, choisi la paix. Nous avons les conférences ministres avec étrangers groupe G20 a fini jeudi 22 février et les fêtes
en préparation avec sommet leader groupe G20 pour faire Anessa au Brésil. Jusqu'avant la rencontre, le président brésilien Luiz Inácio da Silva a parlé avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le moment où un conflit diplomatique entre pays et Israël, après le leader brésilien a comparé l'opération Israël a mené dans le territoire Gaza tant qu'un génocide nazi a été commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là. Une comparaison qui t'est fait autorité israélienne mauvais tant qu'au con de autorité de discuter façon pour encourager démocratie au Venezuela, partenariat entre États-Unis avec Brésil, sous droit travail avec coopération sous transition énergie propre. Chef diplomatie américain profité de rencontre pour demander leader brésilien nécessité pour besoin urgent pour une assistance internationale pour améliorer la situation sécurité en Haïti. Un support secrétaire d'État Blinken pour chercher tout bon côté l'autre chef diplomatie avant d'y aller en Argentine pour rencontrer président Javier Milei. Jean-Baptiste Philippe, VOA Creole, Washington. T'as qu'on a sauté de là et dossier guerre Israël-Hamas là, eh ben c'est yon nan pigou dossier guerre nan go réunion qui a fait nan Rio de Janeiro au Brésil et qui a fini jodi a. Nous parlons mise à jour sous guerre ça avec Marie-Louise Pierre. À la tête Médecins sans frontières là, dit Conseil sécurité Nations Unies en jeudi 22 février que équipe médicale dans Ban Gaza t'est venu avec un nouveau acronyme WCNSF. Ti moun qui survivent dans la guerre pas pral seulement pote blessure visible, yo traumatisé, mais tout yo gen blessure invisible. Ces déclarations ça, secrétaire général MSF international Christopher Lakir te dit conseil là qui gen 15 membres. Moun Gaza yo besoin yon camp pour nan tire a. Pas le ça possible, mais kounye la même. Lakir continue pour dire n'importe bagay qui fait pour un temps qui coûte, c'est à vraiment gros négligence. Les États-Unis étaient posés veto sous 3 résolutions Conseil sécurité Nations Unies depuis commencement bataille à la date 7 octobre là. Ça qui pire récent, c'est bloqué États-Unis étaient bloqué. Mardi 20 février, il y a une demande pour un cessez-le-feu humanitaire tout de suite parce que l'hôpital poussé conseil là pour demander une suspension temporaire dans tirer yo, libération otages qui en bas mais à Massio. Ambassadeur de la Chine aux Nations Unies, Zam Jong, te dit conseil là qu'il était senti choqué par déclaration Lockyer, nous espérons que la photo tragique qui est présentée pour Gaza a arrivé à toucher conscience certains membres dans le Conseil. Ça. Les États-Unis ont dit qu'il a sauté que le projet de résolution qui mettait veto sur l'Imadia a mis en danger Chita Palé qui a fait entre les États-Unis, pays l'Égypte, Israël et Qatar qui a cherché à patronner une pause dans la guerre avec libération otageux. Nous tous voulons une fin durable dans le conflit. Ça. D'après Wood, la guerre a été commencée le combattant d'un groupe militant Hamas qui dirigeait Gaza, qui a attaqué le peuple israélien à la date 7 octobre passé, côté où il y a 1200 monde et où il prend 253 en otage, d'après quantité israélienne. Comme vengeance, le peuple israélien a été lancé une attaque militaire sur Gaza, que l'autorité de la santé a dit qui détruisait à peu près 30 000 Palestiniens avec plusieurs milliers d'autres cadavres qui perdus en bas des camps. Marie-Louise Pierre, VOA Creole. Ici, aux États-Unis, Donald Trump vient pour le payer l'argent avec intérêt à cause sanctions pour fraude civile que la justice dans New York imposait, sinon procureur général Letitia James qui a saisi propriété le gain dans New York, Valérie Saint-Louis. Donald Trump risque pour le perdre du cake dans propriété précieuse lio s'il pas payer l'agent sanction pour fraude civile que la justice dans New York impose. L'agent ça gain intérêt cap monté sous lit. Li doit l'état presque 454 millions et montant l'agent a augmenté chaque jour de 87 502 dollars jusqu'à ce que le payer. Procureur général New York là Letitia James t'a dit ABC News que le prêt chercher saisi quelque n'a bien ancien président s'il pas capable payer l'agent sanction qui sorti dans décision juge Arthur Engoron te prend dans date 16 février passé. Juge Engoron t'a conclu que Donald Trump t'a bail menti pendant plusieurs années sous richesse li ak bien que le possédait pendant que le t'a bâti un empire avec bien immobilier li qui t'a fait le vin vedette si pesta et permettre li vin locataire Maison Blanche comme président. Donald Trump démenti que le pas fait rien qui mal et le promet pour le faire appel à décision juge là. Capacité Donald Trump pour payer dette légale li yo qui a augmenté pi plus chaque jour vient de plus en plus difficile après que le t'ait perdu plusieurs jugements déjà dans tribunal une après l'autre.
En janvier, Yujiri te bay l'ordre pour payer 83.3 millions de dollars dans cas diffamation contre écrivain madame E. Jean Carroll. Donald Trump te déclaré l'année passée que il gagne à peu près 400 millions de dollars en l'argent cash, l'argent liquide. Yu réserve l'argent que système judiciaire t'a qu'à manger bien vite dans payer pénalité tribunal yo seulement. Reste valeur nette richesse l'argent ça que le dit que il gagne et qui évalué à plusieurs milliards de dollars, li sous forme asset ak bien, couet terrain gorfio, gros building gratte-ciel ak lot propriété ensemble ak investissement et puis l'autre bien. Intention de Donald Trump pour faire appel à tout jugement sa yo pour al mettre le sou yon terrain bataille légale que l'a bien pour le mener pour défendre tête li sous pratique business li an. Et bataille sa pour al persister dans des gonni dans moment campagne pour primaire présidentielle là pendant que l'a essayé joindre nomination républicaine yon façon pour ta reprendre pouvoir dans Maison Blanche là. Appel contre jugement ça que Donald Trump t'a rien fait, gain en pile chance pour yo ta interférer avec un autre jugement criminel que li gain contre lui et qui programmé pour mois prochain dans dossier l'argent que t'a bail pour acheter silence une dame que t'es en affaire avec lui dans New York. C'est près le premier dans 4 cas criminels que l'a gain pour comparaître dans jugement. N'a rappelé que chaque jour qui passait, Donald Trump doit payer une autre somme l'argent de 87 502 dollars dans intérêt seulement sous pénalité fraude civile là. Rivé jeudi 22 février, intérêt accumulé à 525 000 dollars depuis que décision juge a été bail dans date 16 février. Intérêt a continué à accumuler même là il a fait appel dans tribunal là, excepté si tribunal là lui-même t'a fait une intervention ou soit prend une résolution avant ça. Si c'est pas ça, dette l'argent Donald Trump là pourrait monter à 1,5 milliard de dollars rivé dans mois d'août 2025 là. D'après la loi État New York là, intérêt qui pour payer sous montant ça évalué à un pourcentage annuel de 9%. Donald Trump doit l'argent ça individuellement pour être parlé et comme propriété entité entreprise qui était cité comme accusé dans procès procureur général New York là, Laetitia James. Petit garçon Trump yo, Eric ak Donald Junior, yo même tout yo doué yo chaque payé à peu près 4.7 millions de dollars inclus intérêt by l'État pour action que yo ta gagné dans la vente hôtel papa yo dans Washington. D'après calcul certains observateurs, en total pour moment, juge Engoron te bay l'ode pour Donald Trump ak akolit yo payé 363.9 millions de dollars dans pénalité ou soit à peu près 464.3 millions de dollars ak intérêt. Dette l'argent total là a augmenté de 89 729 dollars chaque jour. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et puis la justice espagnole condamné ancien international brésilien Dani Alves pour le passer 4 ans et demi en prison pour viol, Gentil Augustin Junior. Oumblé ça que Banque Interaméricaine de Développement BID organisé mercredi 21 février 2024. Pigro tribunal catalogne condamné ancien footballeur brésilien Dani Alves pour le passer 4 années et demi en prison pour zak ka déjà li fait sous yon femme nan yon club Barcelone dans l'année 2022. Nous pral faire appel contre sentence lan. Moi continue kwè et défend innocence monsieur Alves. Monsieur Alves posé. Équipe légale Dani Alves là pral faire appel contre condamnation pour ka déjà après yon incident dans yon club Barcelone dans l'année 2022. Avocat ancien étoile brésilien Inés Guardiola te dit reporter yo de yo tribunal là, li croit que client li était innocent. Li te continue pour dire. Comme ou connaît, 4 l'année et demi pi bon passé 9 au soit 12 l'année que la justice ak victime nan mandé. Jeudi 22 février 2024 là, tribunal supérieur dans région Espagne là, Catalogne, mette Alves dans prison pour passer 4 l'année et demi et li bay l'ordre pour le payer victime nan 150 000 euros ou soit 163 000 dollars américains comme compensation. Après sentence ça, quelques Catalans te réagi. Papa Alcaraz, retraité 84 l'année, te dit. Li injuste que moun a fait bagay ki pi mal passé ça et puis yo pas joine attention média yo que ça te bay ou soit année que li pral pran yo. Moi considéré ça comme yon abi et yo te fè li parce que li se Alves. Se yon moun ki très connu. Voilà, c'est avec les dernières décisions justice contre Dani Alves que nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci Franklin, merci Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Labellizère. Bonsoir et à demain.